Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un pied à coulisse et de quoi il se compose. De bec fixe, de bec mobile, d'une molette de serrage, d'un vernier gradué et pour le digital, un écran de lecture directe. D'une règle graduée, d'une jauge de profondeur, une prise de doigt sur molette pour le digital, d'un vernier. Sur la règle graduée, une graduation correspond à 1 mm. Sur le vernier, une graduation correspond à 2 centièmes. Lecture du pied à coulisse. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, partez du point 0 de la règle graduée jusqu'au point 0 du vernis. Comptez le nombre de millimètres. Comme vous pouvez voir, le 0 du vernis n'est pas aligné. Comptez le nombre de graduations jusqu'à que celle-ci soit alignée à la règle graduée, comme dans l'exemple. Cela vous donne un résultat de 5 mm 32 centièmes. Sur le deuxième exemple, nous avons 14 mm et 78 centièmes. Pour le troisième, 151,5 et 187,36 pour le dernier. Passons à la pratique. Quelques exemples. Voici un pied à coulisse traditionnel à graduation. Ici, le pied à coulisse digital. Pensez à faire le point zéro avant chaque utilisation. Prenons une pièce quelconque. Nous commençons par mesurer le diamètre extérieur, dit arbre. Le diamètre intérieur, l'alésage. Maintenant, nous allons utiliser la jauge de profondeur pour mesurer la gorge. Attention, utilisez bien le bon côté. Ensuite, nous allons répéter l'opération avec le digital. La lecture est beaucoup plus directe. Deuxième exemple, vous pouvez prendre son diamètre, mais aussi avec la jauge de profondeur, vous pouvez prendre sa longueur utile.
Voilà, si ma vidéo vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne et à la prochaine.